Attention. Jean-Luc Dupuis, je suis chercheur à l'INRA d'Avignon dans l'unité d'écologie des forêts méditerranéennes. Et je suis responsable de l'équipe qui gère ce bâtiment expérimental. Initialement, cet outil avait été conçu pour réaliser des travaux, on va dire, empiriques, c'est-à-dire comparer la propagation du feu suivant différentes modalités de pente et de combustible, c'est-à-dire une litière plus ou moins épaisse, un combustible plus ou moins sec, une charge de combustible, c'est-à-dire une quantité de combustible plus ou moins importante. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce bâtiment des équipes qui ont les moyens et les compétences pour réaliser des diagnostics de plus en plus complexes. En ce moment, des diagnostics essentiellement optiques, mais aussi des mesures de flux. Ces diagnostics sont importants pour pouvoir paramétrer et puis dans un deuxième temps valider des modèles de simulation sur ordinateur des feux de forêt. Donc à l'INRA, nous travaillons notamment sur le développement d'un tel modèle qui nous permet de mieux comprendre comment la gestion forestière, comment les travaux d'entretien influencent la propagation du feu et donc d'aboutir à de meilleures mesures de prévention des feux de forêt. Alors, dans ce sol expérimental, nous étudions la propagation des incendies sur des litières de combustibles végétaux avec la prise en compte d'effets de pente grâce à un banc inclinable que vous voyez derrière moi. Dans la configuration qui est présentée ici, nous allons réaliser un allumage en ligne en bas du banc expérimental pour provoquer la propagation d'un incendie jusqu'en haut de la litière. L'objectif de ces expériences est de faire des mesures de vitesse par méthode optique et des mesures de transfert thermique par des méthodes intrusives, des capteurs qui sont placés en haut de la litière, afin de produire des résultats qui vont nous permettre d'établir des corrélations entre la vitesse et les transferts thermiques, d'abord pour mieux comprendre les phénomènes mis en jeu dans la propagation des incendies avec effet de pente, et ensuite, dans un second temps, de produire des données empiriques destinées aux gens qui font de la modélisation, de la simulation numérique. De flamme en pente se propage avec une hélice dans son hangar à 600.